En paix, merci parce qu'on regarde les vidéos ça. Dans la chaîne ça, nous parlons de causes et spiritualité. Et je dis à nous, parler de Orisha Oshun dans le Kilti Yoruba. Et avant nous aller plus loin, m'a dit sur mes channels là, sur mes vidéos dans la vidéo, please abonnez avec channel là, cliquez bouton notification pour être capable toujours de les faire claquer en vidéo. Et puis ça plus important c'est like vidéo yo, commenter et puis partager vidéo yo sur page Facebook ou sur WhatsApp tout côté. Support que comme ça déjà, Orisha yo c'est des divinités dans culture Yoruba qui précisément placé en Nigeria. Yo connaît esprit ça yo sous nom Orisha, yo mais yo égal ensemble avec esprit panou yo qui c'est loi yo. Je vais faire une autre vidéo pour parler de culture Yoruba, mais je dis à na focus plus sur Oshun. Oshun c'est une divinité féminine qui plus populaire dans culture Yoruba. Son énergie de l'eau liée, il est précisément placé dans rivière. Les représenté par l'amour, sexe, plaisir, fertilité, son esprit qui incarne la beauté même. Ou quand l'on moun belle, moun nan konnen belle, et puis moun nan fè sûr que le moun konnen belle, et bien ça c'est Oshun. Li rappelman pile de loi Ezili Freda nan Vodou Panoa. Nous parlons. Son esprit qui vraiment reconnu nan bay richesse, contentement, li vraiment généreuse et puis vraiment gentil. Li remen bijou en pile et puis décoration qui gagne couleur jaune. Son esprit qui est tellement puissant, il gère presque tout problème où qu'on est l'humanité qui a fait face ensemble avec lui. Il est connu pour même renforcer la justice. En pile, on connaît comme un protecteur, comme un sauveur, lui c'est maman toute bagaille qui douce. Même Jacques en pile la divinité dans culture Yoruba, il est très humain la caille tout. Très tant qu'ou vanité, jalousie. Si vous suivez bien, c'est comme si m'a décrit Ezili Freda dans Vodou Panoa, pendant que m'a décrit Oshun. Oshun est connu en tant que divinité féminine qui était premier existé. C'est énergie féminine qui était participé dans la création de l'humanité. Dieu garçon, Dieu masculin, yo, yo pas capable de venir ensemble avec et être humain pour compte pas, sans l'aide Oshun. Et ça fait considérer comme pigo intermédiaire entre l'humain et puis Dieu suprême, dans la culture Yoruba. Et une autre chose pour nous connaître, Beyoncé c'est petit Oshun. Beyoncé servi Oshun. Il pas caché ça. Il même dit ça dans une musique vidéo, lui. On qui s'embrasse avec l'information ça, mais connaissance toujours bon. Oshun tellement remet garçon, li kon comment pour gérer stress garçon. Beauté li même, c'est comme si yon wanga pour l'attirer garçon vers lui même. Son esprit qui tellement puissant, li ka ba la vie même j'en ka retirer la vie tout. Yo vraiment vraiment admiré dans culture Yoruba. Première interaction entre DS ensemble avec l'humanité t'est passé dans Oshoko. Ville Oshoko ça yo considéré dans culture Yoruba comme une ville qui vraiment sacrée et puis qui protégée par Oshun même. Li te di habitant ville ça pour yo bâti kayo à rebon rivière. Et si yo servil, il a toujours répondu prière yo et puis il a toujours baillé des provisions. L'esprit s'est fâché, il a causé déluge, il a détruit jardin avec l'autre bien. Histoire même dit on était tellement fâché, il fait la pluie tomber la pluie tomber la pluie pas chance si pas tomber pour un pile temps jusqu'à ce que déluge arrive fait dans presque tout le monde là. Li marié ensemble avec Chango, on l'autre Orisha. Li se deuxième femme Chango. Mais ça pas empêché le grand pile nèg, ça pas empêché le coucher avec un pile nèg. Et en pile fois les liens enceinte pour nèg la pelle coucher ensemble avec lui, li pas même kon ki est qui papa yo. Les comme ça prend ti moun yo li bay maman li Yemaya. Yemaya même li prend ti moun sa yo li leve yo en bas de l'eau. Et quand les mêmes Oshun même dans tes besoins changés, il demandait ma petite li, et ma fille dit non, aux gens à vivre là, gens à et puis les placer pin nèg ça yo pas ka élever ti moun et ben kembe ti moun yo. Oshun c'est maman Eshu, on l'autre Orisha qui vraiment populaire. De tout Orisha me parler là yo, m'gay pour me faire vidéo pour chaque là à l'avenir. Et l'elle était enceinte Eshu, li pat même quand qui est-ce qui papa.
li fè échou sou la ligne là la sou la ligne pour la fè échou histoire échou a son histoire qui vraiment semble ensemble avec histoire Jésus et ça fait reconsidérer échou comme Jésus dans culture Yoruba échou ensemble avec notre orisha qui est le Oba le gen bif entre yo gen qui dit yo te zanmi et puis Oba même nan abay et échou des conseils l'a dit ou pa ka mache gen nèg kon sa, pa ka bay nèg moun e manje kon sa, e fò fè men janm. Eh bien, Oshun pa tèman reme konsey yo, et puis sa te vin koze yon désaccord ant mesdames yo ki fè ou pa bien. Oshun enjoy sexualité li. Li gen esprit libre, li pa gen esprit coincé. Et sa k fè, li pa pè pou fè sa l vle. Mais gen lòt moun ki di sa k fè mesdames sa ou pa bien, c'est parce que Oba c'est troisième femme Shango. Et puis Shango même nan montre le remè yon plis ke lot et puis te vin kon jalousie ki te vin koze an de mesdames sa yo ki fè yo pa bien. Est-ce que ça va rappeler ou et des accords qui gen Ezili Frida ensemble avec Ezili Dantoa? Et mais des accords qui gen Ocean avec Oba, c'est comme si yon symbole ke li. Li symbolise les deux rivières différents rencontrer et puis gon gros mas ki fè. Nan cérémonie Oshun, yo sali esprit sa pendant ke ap di ohé ohé. Nan hôtel ke yo monte pou esprit sa, yo mette bagay ki sot nan rivière, décor ki sot nan rivière ensemble avec des bracelets jaunes, des bracelets dorés. Animal esprit sa se pan. Moun ki suiv Oshun ap pri facile wè ke yo mette mouchoir jaune, yo mette rad jaune, yo mette an pil bijou doré, an pil bijou jaune sou yo. Yo kon bal farine mari, menajan avec siro miel et puis l'huile douce. Et plat ke yo fè pou li rele omoulouko. Son plat ki fèt ensemble avec zonyon, pois, sel et crevice. Ça c'est vidéo à ça zanmi yo, sou reme vidéo a s'il vous plaît pas oublier à like vidéo a, quitter commentaire et puis partager vidéo a sur tout côté dans sur tout réseaux sociaux yo et puis fait ça qui plus important c'est abonner sa ma chaîne là et puis cliquer bouton notification pour être capable tout jour les faire claquer en vidéo. Prends cette tout et puis n'apprendre l'autre vidéo.